Bonjour à tous, mais je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Mais je vais aussi me placer dans la continuité des deux intervenants précédents, parce que vous allez trouver beaucoup de résonance aussi dans l'histoire de la Redoute. Mais c'est effectivement la Redoute, c'est une histoire d'abord d'entrepreneur. Voilà, on y vient. C'est d'abord une famille, ça, on ne le sait pas vraiment, mais c'est une famille d'agriculteurs qui était installée dans le Mélantois, donc un peu à l'est de la région lilloise, qui étaient des notables dès le XVIIe siècle, et qui, par mariage successif, se sont rapprochés de Roubaix au début du XIXe siècle et ont été confrontés à cette révolution industrielle, de la filature de laine, du tissage, de la production de tissus. Et ils y ont vu une opportunité d'ascension sociale. Et première rupture, c'est une famille qui a volontairement arrêté son activité traditionnelle et s'est lancée à partir de zéro dans le tissage de la laine. Donc ça, c'est un premier événement majeur. Cette habitude de se transformer ne va plus quitter cette famille dans ses activités. Donc ils se lancent dans la filature de laine et réussissent très vite. Par leur esprit d'innovation, ils apportent des améliorations dans les métiers à tisser et deviennent très vite un des leaders de la fourniture de laine à cette époque. Donc nous sommes dans les années 1800, au début du 19e siècle. Arrive la Première Guerre mondiale, et au sortir de cette Première Guerre mondiale, ils se retrouvent avec un stock monumental de laine invendu. Et là encore, une idée de génie qui consiste à dire, eh bien, nous allons nous adresser au grand public pour vendre ces stocks de laine, et ils vont publier une petite annonce dans le journal de Roubaix, et très vite, les clients vont affluer à l'usine pour acheter cette laine, et devant cet afflux, ils vont se dire, bah, faut qu'on trouve une solution pour réguler un peu tout ça, eh bien, on va créer un catalogue. Et ils vont en 1920, créer un premier catalogue qui est un catalogue de petits bouts de laine qui va aller être expédié auprès de dizaines de milliers de Français, puis de centaines de milliers. Et ils ont, faisant cela, inventé la vente par correspondance. Cette fameuse VPC qui va faire leur fortune. Là encore, toujours dans l'innovation, le mot innovation est commun à nos trois marques, ils vont avoir l'idée de créer, et ils sont tout de suite déjà dans le marketing direct, ils créent un magazine qui s'appelle Pénélope, qui est un magazine de conseils. Alors, la clientèle est essentiellement féminine à cette époque-là, de conseils pour tricoter, pour concevoir des vêtements, pour tenir sa maison. Dans ce magazine, on va commencer à avoir des encarts publicitaires. Ils vont déjà vendre du média. Et tout cela développe l'entreprise. Alors, nous sommes toujours sur la laine, mais très vite, et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ils vont basculer de l'entreprise industrielle à l'entreprise de distribution et de distribution de prêt-à-porter. Donc, ils basculent ils arrêtent la production de laine et ils basculent sur le prêt-à-porter. Et au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, ils commencent on commence à créer le fameux gros catalogue que tout le monde a sans doute connu et qui va s'enrichir dès les années 60, au-delà du prêt-à-porter, de l'équipement de la maison. Et puis 60, 70, ce gros catalogue qui atteint à son summum plus de 1200 pages va être l'Amazon sur papier qui était sur la table de tous les foyers français en respectant ces deux saisons. Toujours dans cette histoire d'innovation, là encore, les Pelet, cette famille de créateurs de la Redoute, sont
connectés à la vie des Français, en fait, et sont toujours à améliorer, en fait, le service rendu à ces familles. Et ils vont inventer, par exemple, ils vont disrupter le marché en inventant le service de livraison d'abord 48 heures chrono et 24 heures chrono, par exemple. Ce qui est totalement inédit à cette époque et qui va... évidemment, Amazon n'existait même pas dans le moindre esprit. Et donc, cette qualité de service, cette vitesse de livraison, cette qualité de service est déjà présente très tôt. Alors, pour résumer déjà cette première partie de l'histoire, la Redoute, finalement, a accompagné les transformations de la société en étant au cœur des familles, a apporté à une époque un vestiaire aux femmes qui quittaient leur foyer, qui s'engageaient sur le monde du travail. Elle a contribué à l'émancipation des femmes. Je vais donner un exemple que j'aime bien citer, mais qui est assez révélateur. La Redoute a créé la première carte de crédit à la consommation, la fameuse carte kangourou, qu'une femme pouvait utiliser sans l'autorisation de son mari. C'était les années 68. La Redoute était très branchée sur les évolutions de la société, en fait, et c'est ce qui a fait son succès. Et puis, j'irai très vite, mais les années 90, c'est les années créateurs, par exemple, tous les plus grands stylistes ont fait des collaborations avec La Redoute, bien avant certaines marques aujourd'hui qui s'en gargarisent, mais La Redoute a créé avec Yves Saint Laurent, avec Karl Lagerfeld, avec tous les grands de la haute couture, des collaborations parce que La Redoute avait cette capacité à distribuer une offre en la respectant et en mettant à disposition du plus grand nombre. Et je dirais que la mission de La Redoute, qui est toujours vraie, c'est de rendre le beau accessible au plus grand nombre. Voilà, donc ce qui nous amène aux années 2000, en fait, où La Redoute, en fait, prend un virage Internet. Alors, je vais avancer une fois, je reculerai après. La Redoute prend le virage Internet parce qu'elle est parmi les premières entreprises à ouvrir son site Internet, mais c'est en 1996. Mais ce qu'elle n'a pas compris, en fait, elle a transposé son modèle de catalogue sur Internet. Donc elle a dit, c'est bon, on est sur Internet, notre catalogue est sur Internet, nos clients peuvent commander sur Internet, tout va bien. D'ailleurs, des clients commandaient déjà sur Minitel. On t'a oublié, mais la France était en avance avec le Minitel. Et donc, il y avait déjà une digitalisation qui était faite. Mais par contre, les dirigeants de La Redoute n'ont pas compris que ça allait complètement transformer leur business model. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient toujours dans cette espèce de mouvement un peu de sénateur qui consistait tous les 6 mois à créer une offre, à créer un catalogue, à livrer l'offre. Et puis quand on avait des stocks restants, on faisait des soldes. Voilà, et on recommençait. Internet vient complètement bouleverser tout cela. Et ça, ils n'ont pas compris cela. De même qu'Internet est venu accélérer un certain nombre de choses, comme la livraison, comme l'évolution de l'offre. Internet a permis de publier, de mettre en ligne, de lancer sur le marché des offres quasiment toutes les semaines, ce que La Redoute ne savait pas faire, de faire varier les prix, etc. Donc la Redoute n'avait pas compris cela. Deuxièmement, La Redoute a été aussi disruptée par les réseaux de magasins qui se sont installés dans partout, dans tous les villages, les villes de France, où les Français pouvaient désormais aller accéder à cette offre multiple, attractive, dans les réseaux de magasins, dans les galeries commerçantes, etc. Donc La Redoute, en venant avec son catalogue apporter son offre, n'était plus au rendez-vous. En fait, il n'était plus fatalement le canal de préférence des Français. Et puis, effectivement, la fast fashion qui est venue aussi accélérer le rythme, et La Redoute n'était pas du tout organisée pour cela. Donc La Redoute, en 2013, je vais faire une marche arrière, je ne sais pas si c'est possible.
juste le slide précédent pour citer quelques chiffres. La Redoute en 2013, date à laquelle nous avons racheté l'entreprise pour un euro symbolique parce qu'elle était quasiment au bord du dépôt de bilan, c'était deux gros catalogues par an, c'était 25 marques, c'était 13 catégories produits, c'était déjà 80% du chiffre d'affaires sur le web, une marketplace qui venait d'ouvrir, mais vous voyez, 70% de nos investissements étaient sur le papier. Nous avions une logistique extrêmement lourde avec plus de la moitié de collaborateurs qui travaillaient sur la logistique et surtout on était complètement décalé par rapport à des acteurs comme Amazon puisqu'il nous fallait quasiment 2 jours et demi pour traiter une commande et quasiment 14 gestes et donc vous passiez une commande, vous receviez vos produits 3 ou 4 jours plus tard, donc c'était plus possible. Donc pour remettre la Redoute à sa place telle qu'elle est aujourd'hui, nous avons opté pour un plan de transformation sur 4 axes que je vais dérouler mais ultra rapidement. Voilà, attendez, il faut revenir, voilà, sur les 4 axes. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé de, réduire drastiquement l'offre produit, c'est-à-dire qu'on s'est regroupé sur ce qu'on savait le mieux faire, c'est-à-dire le prêt-à-porter, le linge de maison et la décoration maison. Et surtout, nous avons décidé de capitaliser sur les assets que nous avions, à savoir d'une part des savoir-faire. Nous avions les stylistes, les designers en interne qui nous permettaient de créer notre offre la plus attractive et de la positionner comme on voulait. Donc on a vraiment retravaillé la désirabilité de cette offre. Et puis, nous avions aussi, comme vous deux, une marque extraordinaire, connue par 98-99% des Français. Donc, on s'est dit qu'il fallait capitaliser et la recharger de sens. Le deuxième axe de transformation que nous avons opéré depuis 2014, c'est d'arrêter le catalogue, effectivement. Alors, on l'a fait maigrir pendant les quelques années et on l'a arrêté fin 2015. Alors, on a un peu retenu notre souffle parce qu'on s'est dit que là, on allait dans le grand inconnu et on a bien fait parce qu'en fait on a vu la croissance de l'activité continuer et finalement nous avons mesuré que certes nous avons sans doute perdu des clients beaucoup, mais nous en avons aussi gagné, nous avons commencé à en regagner beaucoup aussi de nouveau. Donc on a mis le paquet sur le digital à travers le site, une application, les réseaux sociaux, donc on a vraiment autant on tissait des liens à travers le catalogue papier avec les familles, aujourd'hui on tisse des liens à travers le digital avec nos clients. Ça c'est le deuxième axe de transformation. Le troisième axe a été un axe sur la logistique. On a déconstruit le vieil entrepôt qui ne servait plus à hauteur de ce que l'on espérait et on a entièrement construit un nouvel entrepôt entièrement robotisé. Et donc vous aviez vu qu'il nous fallait 2 jours et demi pour traiter une commande. Aujourd'hui, il nous faut 2 heures. Donc voilà, vous passez une commande sur l'application de la Redoute, elle est traitée en 2 heures et elle vous est livrée exactement le lendemain. Donc on est revenu par ces investissements dans le jeu. Et puis enfin, le dernier axe est un axe humain où nous avons vraiment réengagé toutes les équipes dans une aventure entrepreneuriale, responsable, fondée sur une culture forte, une culture basée sur, je dirais, des valeurs, hein, l'ambition, la créativité, l'exigence qui était celle de la famille Paulet dès l'origine, qui animait cette famille et qui nous a animés pour transformer l'entreprise. Nous avons aussi voulu réconcilier, alors quand je dis réconcilier, c'est pas parce que c'était opposé, c'est de réaligner en fait le passé, le présent et le futur en travaillant sur notre ADN. Et l'ADN de cette entreprise, c'est 3 éléments, c'est le lien qu'on a su tisser tout au long de notre histoire de nos 180 ans avec les familles françaises, un lien qui était dû au catalogue et qui est aujourd'hui basé sur le digital, et puis cette créativité autour de notre offre, et puis je dirais l'influence que l'on a toujours porté sur la société à travers nos innovations, comment on a accompagné la société, comment on l'accompagne aujourd'hui, notamment avec une offre de toujours plus responsable pour améliorer la consommation de nos clients.
Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir effectivement de partager avec vous le fait que la Redoute est revenue, j'allais dire, à sa place de leader français du e-commerce en mode et décoration maison à travers un modèle omnicanal, à la fois digital mais aussi à travers des points de vente en magasin. Et pour terminer cette présentation rapide, je vais partager avec vous ce film que nous venons de réaliser et qui exprime ce que nous sommes devenus après 10 ans d'efforts de transformation de cette entreprise. We are La Redoute. The perfect blend of fashion and home products. Inspiring online shopping experience and stylish stores. Rooted in France and growing around the world. We are what we believe. We believe in creativity. And we act every day to bring beauty to families' lives. We believe in excellence, in creating, selecting, and delivering quality products. We believe in technology to offer the best shopping experience to our clients from start to finish. We believe in our children's future, and we believe in action. So we sincerely work on drastically reducing our carbon footprint. And to go further each day, we believe in our customers, our partners, and most of all, in our talents. We believe in what we are. We are La Redoute. Et pour terminer, deux mots. Aujourd'hui, donc, nous sommes une entreprise du groupe Galeries Lafayette. L'avenir s'écrit dans le cadre de ce groupe avec trois axes majeurs. Le premier, c'est de continuer à développer une offre toujours plus désirable, mais surtout plus responsable, donc avec un axe RSE extrêmement important. Pourquoi ? Parce que en fait, nos émissions carbone viennent des produits que nous mettons en marché, en fait. Donc c'est là où nous devons faire porter l'effort. Deuxièmement, et c'est pas très connu, c'est l'international. La Redoute, jusqu'à présent, faisait quasi 30% de son activité à l'international, principalement en Europe. Et nous souhaitons passer à 50% dans les 5 prochaines années. D'où le film en anglais aussi. Et puis enfin, beaucoup d'investissements technologiques, IT, data, IA, pour toujours être en avance sur l'expérience client, cette fluidité de l'expérience client omnicanal. Voilà, j'en ai fini. Super. Merci Jean-Philippe.